Nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker. Partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. C'était en 1862. Pays d'Haïti t'apprend à rentrer dans une relation diplomatique avec pays États-Unis. À l'époque, c'était Abraham Lincoln qui était président États-Unis et Fabre Geoffroy était président Haïti. 28 juillet 1915 à 1er août 1934, Haïti pral passé 19 ans en bas occupation pays ça. Journée jodi a encore. Les gen problèmes dans pays d'Haïti, c'est toujours les États-Unis qui pou descendre vin mettre la paix dans mitan haïtien. Mais question qu'a posé, qui ça que la cause nous pas qu'a prendre responsabilité nous? Qui intérêt États-Unis gagne en Haïti? Qui ça que la cause pays d'Haïti toujours gagne crise politique? Qui ça que la cause toujours gagne insécurité? Qui ça nous devrait faire pour pays d'Haïti capable prendre rail changement même genre avec tout pays qui dans monde là? Gen vérité pour qu'on est frères et sœurs. Moi invité ou rale ti chèz ba ou chita confortablement. Fou ko zami info pa ou rentre la kayou. M'pral ba ou tout tripotay sa yo nan ponti mami. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nou ye. Encore une autre fois m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois sou fin tombe sou channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pa ou Fouko. Nous t'ai chance présenter ou yon ti compte ça qui c'était Captain des Potes. Captain des Potes qui se bali. Merci à chaque fanatique qui te répond et merci pour commentaire. Nous faut compte nous gagner mesdames mademoiselles et messieurs en parti cric crac. Petit petit fait l'honneur président. Petit petit fait l'honneur président, pas hésiter quitter élément de réponse pour là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Qui relation Haïti gagner ensemble avec les États-Unis? On fait l'histoire pour nous connaître ça qui a passé journée jodi à qui côté le sorti. Comme nous connaissons, yon pep qui pa kon histoire condamné pour le revivre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'était 28 juillet 1915, pays États-Unis voyait 330 marines en Haïti sous l'ordre président Woodrow Wilson. Soldats sa yo débarqué en Haïti pour protéger intérêt économique américain yo. Mais t'es déjà gagné yon première équipe qui t'est débarqué dans date qui t'est 27 janvier 1914 et occupation ça qui t'a pral prend fin 1er août 1934 sous président Franklin Delano Roosevelt. Dernière équipe marine nan qui t'est payé à dans date qui t'est 15 août 1934. Qui ça qui t'est cause évasion ça? Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, le président américain Woodrow Wilson te voye 330 soldats dans Port-au-Prince sous l'ordre commandant William Deville. Non seulement c'est pour protéger intérêt américain yo qui sous sol là, mais pi gros objectif là c'était modifier constitution haïtien qui était interdit étranger vin gagner terre en Haïti pour être capable éviter critique opinion publique américain. Donc occupation ça t'est présenté par contre amiral Carpeyon comme étant une mission qui visé pour rétablir la paix ak l'ordre comme nous songe dans époque ça sorti 1911 à 1915 six présidents passé sous pouvoir coup d'état matin midi soir n'a traîné cadavre président dans toute la rue. Donc Amérique yo qui très intelligent te tout profiter pour te bourrer et puis yo vini pour yo vini mettre la paix ak l'ordre. Donc eh bien nan cas ça mesdames mademoiselles et messieurs, pas de rien qui pou awe à question diplomatie passée ou bien fiti. Et nan moment yo tap débarqué a yon seul soldat qui t'a tiré yon cartouche qui t'a dit non, nous pas doué envahir yon pays qui indépendant comme ça, qui t'est prêt pour te défendre patrie. Monsieur Terrelé Pierre Sully qui t'est tombé en babal soldat
américain. L'histoire pas fini là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, nan date qui était 17 novembre 1915, soldats ont pral pran Fort Rivière côté te gagne un groupe qui te relé rebelle Kako et tout mette fin à guerre messieurs ça yo te kon fait. Pendant 6 semaines, américain ont te contrôlé banque, tout port yo, douane, toute institution administrative yo, trésor public, etc. Yo te réussi à rediriger 40% dans revenu national là, qui pral permettre yo stabiliser gouvernement haïtien et assurer yo yon crédibilité internationale pendant 19 l'année. Occupation ça, divers conseillers américains gouverner pays et au pas jamais hésiter fait appel à Comarine pour faire appliquer décision que yo prend. Et les ça, c'était Sud d'Actignav qui était président Milat Sénat qui était accepté prend poste président après divers candidats refusés pour ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, en 1917, eh bien, président d'Actignav dissolu co-législative là à cause même yo était refusé ratifier constitution qui était rédigée par Franklin Delano Roosevelt, les ça qui était secrétaire assistant la marine. Yon référendum pral organisé en 1918, nouvelle constitution sa pral approuvée par 98.225 voix pour contre 768. Pas oublié, Américains ont été sortis la caillou avec mission nan tête yo qui s'est changé constitution. Comme nous même n'a bataille entre nous, n'a voye président aller, n'a touye président nous pas contre ça pour nous faire sous prétexte que y a vinn mettre l'ordre, sous prétexte que y a vinn pour y mettre la paix, y a tout gen ti intérêt pour y vinn gérer et bien ça pour y faire c'est constitution pour y changer pour y capable gen terre. Donc à cause que constitution que nous t'ai gagné après 1804 là qui te dit étranger pas gen droit gete nan pays. Eh bien monsieur dame yo vini avec cause yo nan tête yo comme nous même n'a fait bail là et bien yo même yo décidé vinn faire nous ramasser pantalon nous pendant que yo même yo a tout profiter faufiler ti intérêt yo tout profiter a faire passer ça o te gen pour passer des bon bon bout de temps pour ko ka joine côté pour yo fourrel. Eh bien mademoiselles et messieurs, après messieurs fin fait constitution yo pral passer maintenant toute administration yo réinstaurer service public pour yo capable construire route et yo établi un système garde national, yo réaliser 1700 km route, yo construit 189 ponts, yo fait rénovation dans divers canal irrigation, yo construit l'hôpital, l'école, bâtiment public et divers villes vin gen accès ensemble avec de l'eau potable. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, immédiatement, Américains ont été foulés sol là, eh bien, opposition t'est tout formée et cause raciste là t'est commencé à monter. Maintenant, commencement occupation, élite haïtienne, yo, ak officier américain, yo, t'es gagné une bonne relation et qu'on souvent rencontré dans soirée, dans club, yo. Mais, relation ça qui t'a pral crasé, les envoyés officiers ça, yo, en Europe, pendant première guerre mondiale là, eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, officiers avec soldats moins gradés yo pral rete sous ça là, yo pral commencer très vulgaire ensemble avec élite haïtien yo. S'entendez ya, soldats yo a commencé tirer sur manifestants, jouer, violer femmes, ça qui t'a pral fait général John le jeune pral interdit yo vendre soldats américains yo alcool parce que monsieur te rivin rive au moment yo a sou yo a violé femme yo a fait n'importe vie action ra les âmes et s'entendé a les on croise avant dans la rue ou gen zam sou ou pa caché dou ou passé mauvais moment en bas mais yo kit zam nan te légal kit li pat légal yo a tiré à hauteur d'homme sous manifestant, c'était catastrophe net. Malgré tout ça, et bien force rebelle là li même pas suspendre résister contre yo, et bien rébellion ça, force rébellion ça qui t'a gagné 5000 soldats qui t'étaient les Kako sous l'ordre Chalmay Peral. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs,
En 1918, rebelle sa yo qui pral fè yon attaque sous Port-au-Prince, eh bien, Chalmay Peral li même qui pral mouri en 1919 et Kako yo qui pral fon l'autre gen encore en 1920, lesa Benoît Batraville pral mouri. En 1922, Louis Bonneau pral remplacer Sud d'Actignave sans corps législatif là et lesa John Russell pral monter commissaire américain en Haïti, gouvernement ça qui pral superviser expansion économique pays ak construction 1600 km route, yon centrale téléphonique automatique, modernisation infrastructure portière ak système santé publique à l'époque qui te gen 6 zal qui te là pour diversifier agriculture et pays a te augmenté exportation nan sik ansanm ak coton. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, nan début 1930 vin gen yon crise mondiale. Tout produit haïtien vin baisser nan marché international yo. Nan même année ça, et bien Stenio Vincent lui-même pral président avec Herbert Hoover qui pral diriger. Monsieur sa yo pral dresser yon tableau qui pral di malaise haïtien gen ansanm avec occupation. Mais à cause absence mouvement démocratique là qui pas de yon stricti éclairé pauvre chronique il est très aucune décision formelle pas de jambe prend vrai en 1933 Franklin Roosevelt pral président un an plus tard américain yo pral kite pays. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, jusqu'à journée jodi a pa gen anyen qui changé entre relation pays d'Haïti ensemble avec les États-Unis. Yon intervention qui toujours faite selon intérêt personnel. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans quatre visites ça, nous t'ai gagné président parti politique AAA ancien sénateur Yuri qui t'a pral tweeté, côté le déclaré c'était yon réunion fructueuse ak mission OEA accompagné ak collègue li qui nan Dirpod qui se Sorel Jacinthe Rosemont Pradel qui t'ai plaidé pour solution crise là, qui t'ai premier point yo ak départ président Jovenel Moïse et yon remet OEA liste prisonnier politique yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nèg yo rense. Nèg yo rense, on dirait que OEA vin tourner juge dans pays d'Haïti, c'est lui même qui vin remplacer pouvoir judiciaire là dans pays d'Haïti. C'est quoi l'histoire? Qui compte nous tomber là en tant que peuple, monsieur? Franchement, m'a posé tête mes questions parfois. Si des salines t'a gè chance relevé pour le pays ça, li t'a bataille versé sans goût, mais fait gros déclaration, fait blanc français courir pour le journée jodi a c'est dans situation ça. Nous tomber franchement, t'a fout touyer nous toutes. Oh, a raison mon cher. Et ça que fait m'doujou dans monde, moi pas un pouvoir vrai si moi t'ai gè pouvoir, des salines t'a supposé lever bat tout grand chef sa yo kap fè la pli li boutan dans pays d'Haïti. Est-ce que nous songe interview eh bien ancien sénateur a te bay à France 24 côté il te dit eh bien li pense c'est administration Chonplan qui kebe Jovenel et donc immédiatement Biden monte ça pral changer a voye misye ale 10 dat patati patata et puis misye dit waouh me senti étonné les moi comme si administration Biden li même la supporter Jovenel sou pouvoir journée jodi a son fait ou remettre yo lise. Qui dit OEA? Dit Joe Biden? Qui est-ce qui OEA? Quand yo sorti? Dans le pays États-Unis? Qui ça ou vin faire dans le pays d'Haïti? Yo vin gérer intérêt? Qui ça encore? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, journée jodi a ou remettre lisa. Mais ça ou papa? T'as pris souple, lage yo pour moi, meni. Monsieur Kossi, meto. Attends, pour nous grand moun tête nous, pour grand moun nous te bataille pour yo ba nou indépendance. Et puis, journée jodi a jusqu'à présent son étranger qui pou vin débarquer, vin mette au la nan mitan nou, vin di nou pa gou manko. Mesdames, mademoiselles et messieurs, son honte. Pouwe ou gen fami ou gen froye ou, pou même a mari ou pa ka entend nou, pou se fre accès, nou pa ka entend nou lesa, son zanmi ka vin mette au la nan mitan nou. Son honte, oui. Sa k fe nou pa ka chita pou ke nou rezout problème nou gen. Et puis nou di nan fe pays. Nous appeler pour nous venir diriger côté nous pral passer pour nous diriger parce que nous connaît toujours grand monde nous capoter plainte et bien n'a toujours peur prendre responsabilité nous parce que nous connaît immédiatement gros bagaille qui passer m'a pral puis m'a dit intel faire respect lui mais ou pas là pour dire intel ou pas supposé faire tel bagaille ou même ou pas supposé faire tel bagaille en nous chita pour nous parler plutôt en dit qui ça pas fait bien qui ça pas fobi en travail dans intérêt pays à plutôt et puis ça nous n'a fait pays n'a goumer pour qui est pour le peuple et bien
Mesdames, mademoiselles et messieurs, côté bagay la, gay net, quand t'as pour mettre André Michel lui-même, lui sans lait entre l'église et puis le mourir sans baptiser, monsieur mourir choual. Sérieusement. Eh bien, lui-même, ça a été fait, lui pas te répondre ensemble avec invitation. Mais il voyait un document qui gagne 9 pages, qui gagne position, eh bien, secteur démocratique populaire, qui signe par mission OEA, et puis pour finir, il déclarer nous pas trahir pep là. De quel pep il a parlé? Donc, de toute façon, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça dit, c'est États-Unis qui a supporté, ça dit, faut que nous à l'ambassade pour nous mouler drapeau nous pour nous faire 10 pour nous faire date pour que on suspende supporter Jovenel jounen jodi a n'a remettre yo papier n'a remettre yo lisse pour qui ça pour yo kalage yo pour nous retirer Jojo pour moi ta brich je peux pas pas après ça monsieur sous pouvoir ça Jovenel les voit ici. Bon, en fait mesdames mademoiselles et messieurs, Haïti pays théâtre, c'est théâtre net qu'a fait dans pays. Mesdames et messieurs, l'autre zé qui très très important, moi pas qu'à aller sans que moi pas bon zé ça trop goût. Eh bien, journée jodi, gon gros scandale qui pété dans pénitencier national. Scandale ça franchement, bah elle a tellement fait mri, mais à la fin ti moun crié parce que moi aimé Haïti en pile, faut me dire nous ça. Moi aimé pays m'en pile. Et l'amour m'gè pour Haïti a franchement m'gè précieux, c'est même l'amour ça bon Dieu gagne pour chaque petite li. Pour tellement me senti moi aimé pays, tellement me senti nèg yo fait pays a mal et ça t'a supposé changer si que yo prend conscience de situation. Eh bien ça qui passe dans pénitencier national, nous connaît DAP, c'est comme ça qui là qui gère dossier prison. Eh bien DCPJ sorti clair signe, bel uniforme ni souli zamalame, oui la file descend qui côté il praler pénitencier national dans Port-au-Prince. Voilà mesdames mademoiselles et messieurs, eh bien qui mission pral accompli, yo pral arrêter un policier DAP. Na qui sa policier aïe, frères et sœurs bien-aimés dans le CIEC? Hey, nous va mande m'pose, c'est moi qui va nous cause. Eh bien, policier ça, li même ça le fait. Na qui sa spécialise, c'est dans van bandi cartouche, munitions en bon français. Eh bien, hey, les missions rivées, les DCPJ rivées pénitentiaire nationale, DCPJ ka arrête policier, ay foud bataille pété, ou gezam tout, nous tirons, et nous retirons, mesdames, mademoiselles. Tire, et puis sortez-de. D'après information qui arrive, je nous sac passé, même policier d'ap sa, kap van badi katouche la, eh bien, li gen allié tout en dans DCPJ, kap bali ti koze pou van tout. Mais c'est son commissionnaire. Qu'on y a là, sous qui base ou pral passe pour arrêter nèg ça, tandis que même nèg qui en dedans de CPJ, qu'on est qui ça l'a fait. Qu'on est que la bali katouche pour le vendre pour lui. Et business katouche là vraiment rentable en Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, voilà, mes pays n'a pas vivre là. Attendez, bon la pem. CPJ démonstration. Arrêtez qui est, sous qui base, à qui ça? Bon, moun ki pa pêche a kèl fè premier coup troche la. On dan a bam passe kounen n'ap vin di mbou ma pou nan arrête ki yes. Donc, sûrement son bandi ki ba information, kap pale kap di me ki yes kon von ni bal. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que nous on a ki niveau que pays a li même li rivo moment le pourri? Donc, gen des situations ap rive, même kontan de tout moun ap fè sa ou vle ap fè la blie le bot ap koupe rache. Mais bon, pos ou ye, franchement, immédiatement se ou ka arrive fè bagay la ou ap led. Même jan tou yon juge kap van justice mba kache dou, moun che ge poulpi nou fò. Li ge poulpi nou fò parce que ge de bagay louche ou pas supposé entrer la dan yo. Nan peyi ya, donc pou we, ou nan de CPJ ou la ou konne, ou même ou la ou ap mache pou konne ki est ki kap fè trafik zam, ki est kap van, ki est ki nan koze louche nan peyi ya. Konne a la pou même ou ap bay lot policier kap siveye prison, kap siveye bandi anko ak vole kidnappe, passe katouche anko. Voilà la situation, donc, en Haïti, pa ge pièce bagay ki ka etonne ou, donc, pa gen ki nouvo sous soleil peyi d'Haïti ya. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a parlé de changement, mais franchement, j'aime te capable de nous, changement ça n'a pas demandé pour pays d'Haïti, li vraiment loin. Eh bien, l'autre information qui est très très importante, eh bien, les États-Unis fait Haïti cadeau 50 concentrateurs oxygène.
Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, comme nous connaissons un moment là, eh bien, dossier Corona vraiment a fait actualité dans le pays d'Haïti. 50 concentrateurs ça yo pral voyer dans 16 l'hôpital dans le pays. Le gouvernement américain a décidé fourni 11 pays avec 18 millions de dollars parmi Haïti là-dedans par intermédiaire de USAID pour soutenir alimentation oxygène médical dans l'it contre maladie COVID-19 là. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, concentrateur ça yo qui pral jouer un rôle essentiel pour soigner patients qui grave yo qui nan nécessité pour oxygène comme nous connaît nan moment là, bagay ça vraiment fait actualité nan pays d'Haïti. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, grâce ensemble avec concentrateur ça yo, eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas besoin yon infrastructure supplémentaire pour nan rempli bonbonne, mais immédiatement que nous installer l'app capable bay oxygène. Donc, médecin haïtien yo au moins yo pral pran soin malade yo pi bien parce que ti matériel sa yo vraiment bon. Et déjà, ça coûte 16.1 million dollars. Donc, gouvernement américain déjà engagé pour bay réponse avec pandémie kap ravage pays d'Haïti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien sous même bit ça. Pas oublier, journée jeudi à même, eh bien, l'hôpital Université Adventiste l'a déclaré que le ferme porte l'île. Il n'est pas capable de recevoir encore parce que il est saturé ensemble avec ka COVID-19. Donc, nous capables de remarquer qui va aller l'hôpital, temps en temps, cap mettre note dehors pour dire non que yo pas capable, ensemble avec ka corona, yo cap augmenter dans le pays, yo pas gué assez place, yo pas cap prendre moun encore, s'il vous plaît, chercher yon l'autre, l'hôpital. Eh bien, journée jodi a pays États-Unis décidé faire Haïti don ça. M'a rappelé au depuis plusieurs décennies États-Unis lui-même c'était plus grand fournisseur mondial aide bilatérale en matière la santé depuis 2009. Eh bien, contribuables américains ont financé plus 100 milliards de dollars aide sanitaire avec 70 milliards de dollars aide humanitaire dans le monde entier. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, m'espérez que nous comprenons relation pays d'Haïti ensemble avec les États-Unis. États-Unis pas gon côté la mette pied sans que li pa gen intérêt personnel. Et là que la mette pied pou gérer dossier intérêt personnel, il y a c'est là qu'on gon problème, c'est là qu'on va demander aide, c'est là qu'on pas ka manger, là pas gen sécurité, là gen crise politique qui a ravagé et bien eux-mêmes, nan moment yo tout profiter, yo dou apporter aide et tout profiter, prend ça yo ta remen date yo pas capable rive yo te yo t'ap chèchon bagay pou yo pran, et bien yo même ou vin kreye l ba yo, et bien nan moment la yo même yo tout envahi ou sous prétexte que yo vin mette la paix, yo vin mette sécurité, puis s'entendé ya. Nan si constitution nan yo tout fait proup, yo rentre un ti bagay pou yo ki pral permettre yo, temps en temps yo passe war pour un ti bagay la kay. Donc, même toujours dit, retire Amérique, mette la Russie, retire la Russie, mette Japon, retire Japon, mette la Chine, sous prétexte que nou konnen nou pral jwenn yon bagay qui pi mieux passé américain yo, m'a toujours dit menti. Parce ça que fait menti, chaque pays qui a venu c'est pas yo a venir gérer, mais au contraire, sauver pays d'Haïti c'est affaire chaque citoyen, c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous pour nous construire pays, pour nous gérer dossier crise politique ça, pour nous suspendre bail zam nan ghetto yo, pour nous suspendre créer problème dans pays a, pour nous suspendre créer diversion ak insécurité, mais on prend ça nous prend temps nous pito pour nous connaître vrai problème yo pour nous capable résoudre yo. Mais tout autant après les autres nations pour venir gérer cause pour nous, oui, y'a vina avec une solution, mais nous-mêmes, nous pas j'aime qu'on ait qui formule y'a été employé pour venir ensemble avec solution parce que n'a seulement là pour créer problème et nous connaît go moun kap vini ensemble avec solution pour nous. Mais tout autant problème n'a créé nous casser tête nous pour nous résoudre li, eh bien n'a toujours prend plus précaution pour ne pas tomber dans problème parce que nous connaît l'en tomber dans problème il pral prendre nous 10-15 ans pour nous arriver joindre une solution parce que temps c'est avancer la pas avancer. N'a fait place à voix Amérique pour information nationale et internationale yo n'a tourné nan yon ti tan. Actualité a surtout la kembe nou ici aux États-Unis côté Nabdou, Cour suprême États-Unis a voté à l'unanimité le 17 juin pour 10 immigrants qui vivent aux États-Unis pour raison humanitaire
pas qualifié pour demander résidence permanente dans le pays. Juge Elena Kagan, qui écrit dans non pigo instance judiciaire pays, a déclaré loi immigration États-Unis pas permettre immigrants qui entrent dans le pays illégalement et qui gagnent un statut de protection temporaire chercher joindre 4 résidences prioritaires aux États-Unis et en permanence. Leader vénézuélien et haïtien dans l'État Floride, eh bien, il y a des représentants dans le Congrès, n'a pas aidé particulièrement sénateur Marco Rubio et avec Rick Scott pour prendre disposition nécessaire pour tout le monde qui possède TPS rete aux États-Unis. Leader sa yo mandé sénateur yo pour supporter législation qui relé CQA qui gen pour avec légaliser statut immigrant qui vivent dans le pays et particulièrement haïtien yo. Conseil électoral provisoire renvoyé pour une deuxième fois référendum constitutionnel qui était prévu pour 27 juin qui vient là à cause de pandémie COVID-19 là. KEPA a déjà renvoyé référendum non 25 avril passé à, et plusieurs secteurs dans la société ont déjà exprimé désaccord avec décision président Jovenel Moïse te prend pour lui remplacer constitution 1987 là. Donc plusieurs secteurs parmi eux l'église, secteur syndical, secteur religieux, et bien ils tout exprimé désaccord avec décision président. Institution électorale a beaucoup fixé une date pour déroulement référendum non avec élection yo. Mas moins protégène, mas nous protégène, on nous mettait ensemble pour limiter propagation virus qui bail COVID-19 là. N'a pas possible avec actualité à toujours nouvelle concernant pays d'Haïti, président Jovenel Moïse rencontré délégation mission organisation état américain yo qui arrive en Haïti depuis jeudi mardi 8 juin et bien avec objectif pour aider joindre une solution dans crise politique entre pouvoir avec opposition. Dans un message, l'idée haïtienne mettait sur réseau social Twitter, il dit que discussion avec délégation a été déroulée sous sécurité avec question qui vient pour eux, avec santé ou bien question sanitaire. Chef de l'État a dit, administration IA prend engagement pour gagner un dialogue franc, cap déroulé, sous élection démocratique, un reportage, Mathieu Dovilmer. N'a démarré avec nouvelle l'amour évêque auxiliaire dans Port-au-Prince, monseigneur Duclan Sylvain qui passait de la vie à trépas mardi 8 juin. Nouvelle lui fait connaître évêque la mourir après le défunt passé plusieurs jours éternel dans l'hôpital Université Mibale contre maladie COVID-19 là. Et puis président Jovenel Moïse chita parlé avec mission organisation état américain yo qui en Haïti jeudi mardi 8 juin. Ça nous apprend dans une publication chef l'état a fait sur compte Twitter côté le fait connaître discussion était basée sur situation sécurité avec santé pays. Dans publication cela monsieur Moïse profite renouveler engagement li dit administration li en prend pour dialoguer à tout secteur dans la vie nationale pays, il dit qu'il a débouché sur l'organisation élection démocratique. Doué dire tout, conseil électoral provisoire reporté date qui était prévue pour référendum constitutionnel là à cause augmentation cas COVID-19. Et pour mardi 8 juin, monde capable toujours tendre brise automatique qu'a fait dans direction site capitale pays. Toutefois, habitants zone si la continue à vivre dans la rue contre groupe mon exam qui a trop qui connu dans quartier Matissan depuis plus passé une semaine. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Dovilmer pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathieu Dovilmer, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec pour rencontrer mission ça qui arrivait qui est pour rencontrer espoir, c'est pour ta rencontrer avec opposition qui eux même divisé. Gain même opposition qui dit yo pour rencontrer avec délégation pour faire une position sur et situation pays. Gain l'autre qui dit tout simplement yo pas faire yo pas quita yo panago. Par exemple, c'est cas par exemple pour porte-parole et secteur démocratique et populaire, M. André Michel, et bien lui-même lui dit, il va pas aller, mais non seulement en fait que le fait que il va pas aller, ça va veut dire que il pas en position et bien que il prend soin que il écrit un document 7 pages, 9 pages que le voyait by chaque membre de la mission pour dire raison qui fait lui-même lui en désaccord total avec pour en place là et non puisque il pas fait le confiance. Décision qui a été adopté, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation
avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous avons diplomatie. Nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrivons un document de 9 pages et nous allons le distribuer là. Il traduit en anglais son document en français. Une traduction créole qu'a fait. Son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons bail, M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons bail, ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur et Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur et Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission, hein? Nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise. Là. Et a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse, te gen plus passé 7 élections pour le défendre dans le pays à l'Albafeyo. L'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. L'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la police. L'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé le Parlement. L'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé le droit de l'homme. Pendant Jovenel Moïse a massacré moun. Nous dit, OEA ferme gel. Pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné moun, La Saline, Bel Air, Cité Soleil. OEA ferme gel. Pendant Jovenel Moïse avec gouvernement l'a metté Genève. Dans pays ya, kap kidnappé moun, violé moun, tué moun. Nous dit, pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, li pas capable de participer. Non, rencontre avec mission spéciale l'OEA parce que l'OEA li gon complicité politique, li gon responsabilité morale dans la grave crise qu'a crasé pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, OEA c'est une organisation à travers monsieur Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022 alors que la Constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Bon, on parle les professeurs de Dieudonné Lérisson, qui sont un leader politique, et les mandés acteurs pour profiter de l'occasion ça pour résoudre la crise, ça veut dire participer dans la rencontre avec l'OEA. Nous pouvons que l'Organisation des États américains nous convaincu la bégayen une position qui est impartiale et nous demandons, nous croyons que les protagonistes à la crise doivent profiter de mission OEA pour joindre un accord politique pour nous capables de résoudre la crise haïtienne, pour nous doter le pays d'une nouvelle constitution et pour nous mettre d'accord pour l'élection organisée dans le pays, pour renouveler le personnel politique, parce que l'éclair, pas qu'il n'y ait aucun accord politique. Dans l'objectif pour monter le gouvernement de transition, je dis à nous clair, si un acteur politique a envisagé des accords politiques pour monter le gouvernement de transition, nous dit que c'est des pratiques antidémocratiques. Montlan li évolué. Chaque fois un groupe moun
voulez prendre pouvoir, il faut consulter le souverain. Il faut que vous mettez d'accord sur des principes qui liés à la souveraineté populaire. On ne peut pas prendre le pouvoir en dehors des principes liés à la souveraineté populaire. Dans tous les pays du monde, tout le monde qui réclame tête comme démocrate, c'est à travers l'élection que nous prenons le pouvoir. Donc nous croyons que les acteurs politiques, les autorités du gouvernement y a profité de présence, mission OEA, nous-mêmes, c'est ça, nous croyons dans le parti place pas, pour rejoindre un accord politique qui pour permettre à ce que nous dotions le pays de nouvelle constitution et qui permettre nous aller dans l'élection pour nous renouveler personnel politique pays et que le 7 février 2022 pour que c'est un président élu qui remplace le président en exercice. Toujours concernant l'actualité dans le pays d'Haïti, nous allons apporter conditions de sécurité pour améliorer dans le sud-capital là, haïtienne dans Port-au-Prince, côté Negameo, toujours à boucanté coup de zame de temps en temps depuis une semaine. Pour émission, il y a Claude Joseph qui fait une rencontre, on compte rendu après le défi de visite des zones, côté de dit que l'autorité ou bien force de radio te reprend le contrôle zone non. Un leader dans la société civile là, Joseph Domingue Orjuela, a demandé aux autorités de replacer yo pour prendre toute disposition pour résoudre problème insécurité à dans moment négamé capsimé la terre dans alentour capital là. Et tant que j'en noté tout à l'heure, nous t'ai annoncé et leader politique Joseph Domingue Orjuela qui lui-même demandé aux autorités pour prendre disposition pour résoudre crise politique là. Je dis assez avec tristesse qui n'a pas de nos nations, parce que nous t'ai dit ça depuis bien longtemps. Dans presque toute intervention au conseil là, nous dit faut gagner un accord politique qui pour retirer pays à dans sa lière. Pour retirer pays à dans instabilité chronique sa lière. Faut gagner un accord inclusif. Ça veut dire qu'il faut que nous ne quittions pas personne moun deye. Parce que les gens qui ont fait action, qui ont mis l'État en déroute, je pense que c'est un simple projet banditisme. Son banditisme politique. Parce que si c'est vrai qu'il y a des groupes qui n'ont pas arrêté à garder genre de situation ça yo. Autorité qui a responsabilité pour assurer sécurité population. C'est pour yo prendre responsabilité yo. Si yo pas capable, c'est fou yo et pour yo faire appel à la nation. Pour nation li même li connait ça pour le faire parce que il y a des moun li ba responsabilité. C'était avec un pile tristesse les nous gagné presque 5 départements qui fait 4 jours bloqués. Et puis comme conclusion, gagné un levé campé des groupes armés ça qui marchait, yo prend 4 ou 5 commissariats, yo saisi toutes armes, yo tué policiers. La vie moun pa vle di rien. Mais nous pas ka accepter ça. Nous pas qu'accepter ça, mais faut nous résoudre problème là avec tête reposée. Parce que nous te fait bagay ça déjà oui. Yo ban nous occupation. Yo ça montré incapacité haïtien pour l'administrer territoire ça Jean-Jacques Dessalines mouri quitté pour nous. C'est ça ça montré. Tout le monde qui a parlé fort. Mes amis, jodia Haïti souveraineté pays en danger. Il est temps pour nous prendre conscience, pour nous connaître
tout ça, moun qui a manipulé le groupe armé, moun qui a fait les politiques, tout ça grand au grain bagay li pote kounya fait que Haïti a vinn paraître au pays côté bon ban incapable qui la donne. Faut nous lever défi ça, nous capables. Si nous te fait 1804 jodia nous ka joine chemin réconciliation qui pour mener dans stabilité politique et qui capable permettre question sécurité à résoudre une fois pour toutes côté même si il y a toujours des problèmes mais c'est pas Jean lié là à côté l'état presque pas veut dire rien pour personne. Voilà, c'était déclaration et professeur Joseph Domingue Orjela et qu'on dit on a présenté au reporter spécial et nous gain avec nous tous sous Lina et ingénieur Jocelyn David. Et Joseph David, c'est un géologue qui pourrait parler nous de saison cyclone qui déjà commencé depuis le 1er juin. Ingénieur Jocelyn David, bonsoir et bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Bon, ben m'a salué nous et c'est un plaisir pour moi pour me retourner là quand même quoi. Alors, Ingénieur Jocelyn David, nous connaissons que saison cyclone a annoncé depuis 1er juin. En fait, qui ça qui différent dans saison cyclone année 2021 comparé avec année 2020? Bon, ça qui différent c'est que année 2021 sont années qui parlent extrêmement actives tout, mais la moins actif que année avant. Ouais, année passée nous connaissons, ouais, tout ça qui est passé, nous t'es épuisé tout nos cyclones qui t'es gagné au point que nous t'es tombé dans l'alphabet grec là. Bon, année ça n'a pas arrivé, mais cependant son année qui est extrêmement actif et dans peut-être en vingtaine de systèmes que tout centre de météorologie yo, et particulièrement nous a enfin prévu, eh ben nous capable gagner 7 cyclones qui capable des gros cyclones qui allaient de 3 à 5. Maintenant là-dedans yo capable gagner peut-être une ouais dans 7 là qui capable bailler un pile tracas et pas oublier que généralement dans une saison cyclonique un seul cyclone suffit pour gâter saison en net. Et c'est là nous allons demander tout le monde ouais qui sorte de précaution pour vous. Maintenant général David, donc on est que en principe nous avons un problème parce que région pas noire plus ou moins et on a parlé de région Caraïbes là. Qui genre que cyclone là l'a pas affecté nous année ça. Bon, région Caraïbes là pratiquement c'est standard les ces chemins jardin cyclone. Parce que c'est là où un système vent qui saute en Afrique là, c'est là le passé et c'est là le toujours. Maintenant, nous pas qu'à déterminer exactement qui force cyclone n'a pas gagné pas avant que le former et son bagage il dépend de deux facteurs. Premier facteur, c'est température de l'eau en mer. On a parlé de océan Atlantique là, on a parlé de mer Caraïbes là. Et n'a pas les tout de Golfe Mexique là. Donc température la mer dans zone ça yo c'est premier facteur. Deuxième facteur c'est que dans surface la mer gagne un mouvement que personne pas jamais que relé l'effet de Coriolis et qui fait que mouvement la mer l'a viré qui ba cyclone là mais mouvement où elle a faire mouvement de rotation où elle a faire. Donc là tout pays qui dans zone Caraïbes ouais yo gagne depuis les îles sous le vent, ça les Antilles, Pitié, aux Grandes Antilles, et même dans les États du Golfe, même si vous pas directement lié à la région Caraïbes, mais vous connecté avec la situation cyclonique là, et bien, vous avez intérêt à préparer parce que à n'importe quel moment, et bien, si la température a changé, et le monde a changé, ce n'est pas un gros changement que vous faites, on a parlé de 3 degrés centigrades. Environ 5 degrés Fahrenheit pour les gens qui habitent aux États-Unis. Depuis la température a changé dans ce sens, ben les deux natures abattent un cyclone tête chargée ouais, dans une zone qui est capable de arriver même jusqu'à 250 km ouais, à l'heure dans le mouvement de rotation. Donc, les gens qui sont dans les Caraïbes, ils ont intérêt à partir du moment que la saison cyclonique va commencer, pour faire des préparations, ouais, pour connaître qui décision à prendre. Ils ont des bagages pour essayer de gagner la caillou. Et il faut qu'on ait tout. Si son cyclone qui est extrêmement puissant, que quand il côté hier, pas capable de résister à force de vent ça, il y a l'autre côté pour y aller
on a mis en famille ou bien si son pays qui gagne ça nous les shelters qui gagne des abris ouais qui fait spécialement pour ça et mais pour capable protéger tête ou protéger famille et protéger l'autre monde que vous connaissez tout parce que là c'est une situation extrêmement critique l'arrivée dans la phase A mais il faut que tout le monde mette tête ensemble pour yo déterminer ouais décision que prendre qui capable comme on dit déjà protéger la vie. Alors, et ingénieur David, on mentionne une question là, on parle de température. Est-ce que, par exemple, le changement climatique là, est capable d'avoir un impact sur la saison cyclonique là? Bon, naturellement. Parce que nous connaissons que le changement climatique là, il y a un facteur, c'est que la température y a tendance ouais, pour augmenter. Et la température augmente comme ça, mais qui s'en son situation brusque, les vins baou, on sort de déséquilibre dans l'atmosphère là. Et le déséquilibre ça, dans l'atmosphère là, fait, ou bien des fronts, ça n'appelle les fronts yo, qui des fronts chauds avec fronts froids, qui mais le rencontrer, parfois ils rencontrer dans des zones que vous pas supposé rencontrer à cause de perturbations ça yo, de températures créées dans l'atmosphère. Donc le rencontrer dans zone ça yo, tout dépend côté zone là yé, les capbord, la bord des cyclones qui violent, là bas ou tout, des tornades, sous une zone de tornade par exemple, sous aux États-Unis. Ouais, eh ben dans vallée Tennessee, ou bien ça n'est couloir tornado, ça n'est le tornado alley. Eh ben on va prendre compte que il y a des fonds qui a formé là et mais la bord de tornade. Donc on a dit que situation ça n'a pas les là ouais changement climatique là, son situation non seulement l'idée nature a renforcé ouais on a dit puissance cyclonio, mais l'idée de nature tout a formé ça nous relève des tornades qui sont encore plus violents. Ouais, qu'est-ce que ça nous dit? Et année ça, pas oublier nos années de prédiction de El Niño, côté température en mer sur côte ouest, Amérique du Sud là, pour augmenter. Et nous connaissons que l'un ou l'autre année El Niño, ben généralement, ben l'alimenter température, l'échauffer surface océan beaucoup plus, et le ça au gain des cyclones qui est beaucoup plus violent. Naturellement, je prédis que dans la fin période cyclonique là, donc n'a pas les octobre novembre, nous sommes capables bien la Niña qui sont phénomène inverse, mais les capables trop tard pour nous parce que pic saison cyclonique là qui c'est dans le mois d'août, qui c'est mois pichoa, et mais nous arriver à une température de surface dans mer qui produit des cyclones extrêmement terribles. Et monde qui par exemple. Merci docteur David. Merci docteur David, nous content causez-moi des chaises. Nous pas gagné assez, bon, pensez faut tourner sous encore pour nous venir continuer avec conversation ça avant même saison cyclonique. Jean dit noir, son saison cap fini pratiquement en novembre. Nous gagné assez de temps pour nous faire un gros râle sous dossier ça encore. Non, tout service que là n'a permission en pile et ingénieur David. Pas de problème à disposition. D'accord. Et puis, pour nous finir, mes amis, on a dit que je dis assez gros causé en Haïti. C'est un match football, c'est match qualificatif Coupe du Monde et Qatar 2022 avec la sélection nationale là. Grenadier, ben, il y a pas rencontré avec Nicaragua. Un match qui est important pour tous les deux équipes, mais plus important pour Haïti. Haïti a mis qualifié pour le prochain tour. Eh bien, Haïti t'a mis calé pour l'Ouest. T'as rencontré et aller dans la prochaine phase là. Et match à la joue avec tout portefeuille. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience. Moi pralé m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou bon la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Non pam, c'est Foucault. Me ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. Moi pralé. Mais m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.